juste pas capable de dire qu'il n'est pas fini. Et il a paiement fin faire en cash. Hors de la vue du notaire. Et il assume ses responsabilités. Il n'est pas capable de cacheter, reste dans le Parlement, servir l'immunité parlementaire pour venir faire une déclaration qui n'est pas vraie. Un premier ministre dit de ce nom. Il n'est pas faire sa même déclaration. Et il peut commencer à dire moi, c'est pas moi capable de relever ma défi pour redéfinir encore. C'est un menteur. Indigne d'être un premier ministre. Il est fait. Parce qu'il est misleading le Parlement. Le Parlement, vous êtes souverain. Il est misleading le Parlement. Là, c'est qu'on appelle la section 47 du POCAS, la sous-section 3. Maintenant, dans quel pays qui se respecte, nous capables de laisser une situation continuer telle qu'elle? Et nous pas capables de museler l'opposition. Et je fais un appel, et je dis à toute la population mauricienne, si je dis et je prends mes responsabilités, nous finissons trouver qu'il est arrivé ailleurs, sous compte au pays comme un citoyen. Moi, mon pas misère, je ne connais pas qui mon parti politique ou été. Qui ou l'allégeance parti politique. Je vais agir comme un patriote. Et le Sénat pour descendre dans la rue. Pour être un vigile devant le Parlement. Pour faire appel au bon sens de tous les Mauriciens. Avant tout, nous sommes des patriotes. Nous n'avons pas le droit. Laisse-nous pays. Bascule dans ce qu'on appelle une situation que nous devenons une république bananière. Bon, faire appel à tous les citoyens de se réveiller parce qu'il dit nous pays avant. Ce n'est pas le pays d'un parti politique, d'un leader politique, d'un premier ministre. C'est nous pays. Nous besoin de réveil dans le respect de la loi. Et nous besoin de descendre quand nous besoin de faire et le moment inarrivé maintenant.